Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un test d'un nouveau appareil. C'est un petit gadget, c'est un enfil-aiguille. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est tout simplement en fait un petit appareil qui permet de faire passer le fil dans le chat de l'aiguille et sans se compliquer la vie. Donc on prend son aiguille, le chat qu'on va mettre ici dans le trou, voilà. Donc tout simplement, je prends mon fil, je le passe ici. Voilà. Donc je vais légèrement le tenir. Il ne faut pas le tenir de manière à ce qu'il ne puisse pas bouger, puisque le fil va devoir un petit peu se déplacer pour entrer dans le chat de l'aiguille. Donc je le maintiens légèrement. Je vais appuyer ici et je vais relâcher. Voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, le fil est passé. Donc il n'y a plus qu'après à le tirer. Et voilà. Donc après, ils ont mis un autre petit gadget ici. C'est un cutter. Voilà, on le voit mieux ici. Donc une fois qu'on a passé le fil dans l'aiguille, il suffit simplement de couper avec le cutter. Alors après, la coupe au cutter, je l'aime moyennement parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément très bien faite. Bon, des fois, il y a des voilà, on voit un petit peu, hein, c'est pas hyper net. Bon, après, c'est pas grave non plus. Mais si on veut que ça soit net, vaut mieux prendre à la limite la paire de ciseaux. Donc là, je vais le refaire avec un fil un petit peu plus fin. Donc je mets l'aiguille. Je passe le fil ici. Je le tiens. J'appuie, je relâche. Et hop, voilà, mon fil est passé. Donc ouais, c'est vraiment super facile à utiliser. Donc en fait, on peut utiliser cet appareil lorsqu'on commence à moins bien voir de près pour enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. On peut l'utiliser aussi si on a des difficultés pour manipuler justement des petits objets. Tout le monde n'a pas non plus cette facilité à utiliser des petits objets. On peut avoir des difficultés au niveau de ses doigts, de ses mains. Et puis, ça peut être aussi pratique pour les enfants, les jeunes enfants qui apprennent à coudre à la main. Disons que c'est pratique pour enfiler l'aiguille. Je vois ma fille, ma petite dernière, elle galère à chaque fois qu'elle essaye d'enfiler une aiguille. Et avec cet appareil, elle est super contente. Alors, attention par contre, parce qu'apparemment, toutes les aiguilles, enfin, l'appareil ne fonctionne pas avec toutes les aiguilles. Cela fonctionne avec ce type d'aiguille. Avec ces aiguilles là et ni avec ces aiguilles là. Donc voilà, moi ça c'est mon aiguille, mais je n'ai pas de j'ai pas de soucis, hein. Alors attention aussi, parce qu'on nous dit qu'il faut pas utiliser non plus du fil trop gros, puisque ça passera pas et le fil cassera. Moi, j'ai pris donc un fil normal de fil à coudre, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi avec le fil de bâti. Je n'ai pas essayé avec des fils plus gros, parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Mais déjà, avec le fil de bâti, qui est plus gros que le fil à coudre, ça passe. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Voilà, je vous dis à bientôt. Et j'espère que ça vous aidera à enfiler le fil dans votre aiguille si jamais vous avez des petits soucis. À bientôt. Bye bye.